Bien chers frères et sœurs, auguste assemblée, paix et joie du Christ ressuscité. Amen, alléluia. Paix et joie du Christ ressuscité. Amen, alléluia. Paix et joie du Christ ressuscité. Amen, alléluia. Voilà, nous sommes très heureux, nous venons de le chanter. Le Christ, il est vivant. Il est désormais vivant en chacun de nous. Sa lumière est en nous. Et à travers chacun d'entre vous, il souhaite éclairer le monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En entrant dans cette célébration sainte, nous allons nous tourner vers notre Seigneur. Oui, il veut demeurer en nous, mais parfois nous résistons. Nous résistons en n'écoutant que notre propre cœur. Et pourtant, il veut que nous soyons des témoins de l'amour, des témoins de la tendresse et des témoins de la réconciliation. Alors demandons-lui maintenant pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas su l'accomplir. Tournons-nous vers lui, entrons dans notre propre cœur, écoutons le Christ qui nous parle et demandons-lui pardon pour toutes les fois où nous avons négligé de répandre autour de nous son amour. Ensemble, demandons-lui pardon. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir les hommes et les hommes, prends pitié de nous. Chers frères et sœurs, dans la joie de se retrouver ce matin pour exalter les ressuscités, chantons maintenant sa gloire éternelle. Thank you.
Aujourd'hui, Seigneur notre Dieu, par ton Fils unique vainqueur de la mort, tu nous as ouvert les portes de l'éternité. Tandis que nous fêtons solennellement la résurrection du Seigneur, nous t'en prions. Accorde-nous d'être renouvelés par ton esprit pour que nous ressuscitions dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean ? Jésus de Nazareth lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance. À nous, qui avons mangé et bu avec lui, après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Voici le jour de vie.
la lettre de saint Paul, apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Pascal, chrétien, offrait le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis. Le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant il règne. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant, j'ai vu la gloire du ressuscité. J'ai vu les anges ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. Arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut.
Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Certainement que
Certains ne sont pas très fréquents à l'Église, mais si vous êtes là ici aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un élément central qui nous rassemble, un élément qui nous attire avec des forces centrifuges, des forces spirituelles beaucoup plus fortes. Alors, que cherchons-nous? Nous aussi, que cherchons-nous véritablement? Qu'est-ce que je cherche, moi, Père Paul, aujourd'hui? Pour donner ma réponse, je recherche encore et encore cette grâce de la résurrection. Je cherche encore et encore d'être investi et établi dans la profondeur de cette grâce. Je cherche à être blotti dans la lumière du Seigneur afin que je sois moi aussi à mon tour une lumière pour les autres. Que cherchent les uns et les autres aujourd'hui? Recherchez la profondeur de la tendresse du ressuscité. Recherchez la profondeur de son amour pour pouvoir le porter aux autres. Oui, c'est le merveilleux message de Pâques 2022, chers frères et sœurs. Ne l'oublions pas, ne le négligeons pas. Alors désormais, Jésus nous invite à nous épanouir dans la foi. Jésus nous invite à nous épanouir pleinement dans la confiance. Jésus nous invite sans s'arrêter à nous engager sur le chemin de la véritable espérance. Cette espérance qui est un chemin pour chacun d'entre nous, nous permettant de retrouver la dynamique de la vie. Avec lui, notre Seigneur Jésus ressuscité, nous passerons donc de l'épreuve à la délivrance. C'est un véritable mouvement de revitalisation qui nous amène vers l'avant, qui nous amène vers un horizon sûr, qui nous amène vers l'avenir. Oui, chers frères et sœurs, évidemment, c'est à chacun d'entre nous de décider personnellement et en se laissant éclairer par l'Esprit Saint, avec son propre rythme, son propre tempo, de son parcours de foi, de son parcours de cheminement personnel, mais également à chacun d'entre nous, avec la volonté affichée de se remettre sur le chemin de la vie, de se remettre sur le chemin de l'amour, cet amour consolidé, renforcé par la présence éternelle du ressuscité. Ce chemin, il nous conduit à l'épanouissement et à la béatitude. Et épanouissons-nous donc, chers frères et sœurs, ensemble les uns avec les autres. Épanouissons-nous les uns, les maintenant, celles des autres. Oui, chers frères et sœurs, fleurissons. Fleurissons de plus belle encore, là où notre Seigneur nous a plantés. Il t'a planté dans ta famille. Il t'a planté dans ton milieu de travail. Il t'a planté là où tu vas chaque jour. Il te demande de fleurir. Il te demande de répandre les pétales de ta vie pour apporter plus de gai, plus de joie, plus de tendresse dans ton quotidien. Oui, chers frères et sœurs, c'est le message de Pâques de 2022. Embaumer son entourage. Apporter plus de tendresse et de sérénité à son entourage. Ne pas être source de faire chuter les autres dans l'abîme, mais être plutôt source de paix. Être source de charité. Être source de lumière. Chaque année, notre Pâques doit marquer un changement profond en chacun de nous. Un changement dans notre vie, un changement dans notre façon d'être, un changement qui nous pousse et qui nous élève en transcendance vers une vie positive. Un chemin intérieur en constante évolution avec le Seigneur. Le Christ ressuscité, il nous entraîne, vous et moi, dans une nouvelle démarche, une démarche très belle, une démarche bienheureuse vers Dieu et avec Dieu. Ouvrons donc nos âmes, ouvrons nos cœurs,
le cœur où Dieu veut nous parler, ce cœur à cœur avec lui, où il nous éclaire, ce cœur à cœur que nous avons à effectuer avec lui, parce que c'est là où nous découvrons qui nous sommes vis-à-vis des autres et qui nous sommes vis-à-vis de Dieu lui-même. Et c'est dans ce même cœur, notre cœur, le vôtre, que Dieu nous permet tout à fait de retrouver le chemin qui nous mène vers la vérité. Et puisque Jésus est la vérité et qu'il vit indéfiniment avec nous, demeurons donc dans la vérité. Devenons pour notre entourage une source de joie vivante, éclatante, une source de joie qui ne tarit pas et une joie attentionnée. Vous voyez, un don de soi sans rien attendre en retour, un sourire donné, un service rendu avec humilité, une poignée de main donnée à quelqu'un pour lui transmettre votre énergie. Tous ces éléments font que notre Pâque, celle que nous célébrons cette année 2022, la joie du Christ qui est également en nous, peut durer tout au long de l'année. Ces éléments font que notre Pâque devient une Pâque quotidienne. Ces éléments de fraternité, de solidarité font que notre Pâque demeure au quotidien et que notre Pâque permettra d'apporter plus de paix à notre monde. Alors, au moment où nous sommes réunis ensemble, en famille, mais surtout en une assemblée sainte ce matin, que notre vie tout entière rayonne donc de la lumière du ressuscité. Que la joie de Pâques demeure toujours en chacun de nous. Chers frères et sœurs, que la lumière du Christ ressuscité éclaire notre chemin de vie. Que la Pâque éternelle, soit pour chacun d'entre nous un réveil, un véritable réveil spirituel, un réveil intense, un réveil ample, mais un réveil durable. Et que notre Seigneur Jésus, dans sa gloire éternelle, bénisse chacun de nous maintenant, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous avons été investis dans la résurrection de notre Seigneur, qui est le gage de notre propre résurrection à venir. Telle est notre foi aujourd'hui, et maintenant je vous invite, tous ensemble et unis à tous les chrétiens du monde entier, à renouveler notre foi baptismale. Et aux questions qui vont vous être posées, chacun répondra à son propre nom, « Oui, je crois ». Bien, chers frères et sœurs, unis par la foi chrétienne, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Oui, je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, et croyez-vous à la vie éternelle? Oui, je crois. Chers frères et sœurs, telle est notre foi chrétienne, dont nous sommes fiers de professer à temps et à contre-temps. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon du péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur pour la vie éternelle. Amen. Et portés par cette foi et avec confiance, nous pouvons maintenant présenter à notre Dieu nos humbles prières pour le monde et pour chacun et chacune d'entre vous. Ensemble, prions.
par l'épreuve et les difficultés. Merci de nous donner le courage d'agir pour l'Ukraine et ceux qui en ont besoin. Seigneur Jésus, toi qui es le ressuscité, que la joie de ta résurrection se répande sur la terre et illumine tous les hommes qui cherchent la lumière. Nous te le demandons à toi qui règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et du Saint-Dieu. Dans l'exultation de la joie pascale, le Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, de manière admirable, naît à la vie nouvelle et reçoit sa nourriture. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est juste bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a conduits à la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne partout l'univers. La terre et l'air exulte. Dans les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Pour la multitude en rémission des péchés.
vous ferez cela en mémoire de vous. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Tu es Seigneur, notre résurrection. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Pierre-Marie, son auxiliaire Alain, les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi, dans ta bonté, de tous les défunts qui vivent dans l'espérance de la résurrection. En ce jour solennel et béni, nous te prions pour Cécile, Angelo, Cécile et Angèle Soriano, les deux frères de la famille Valette-Breux, Blatt et Olivier. Nous te prions pour ton serviteur Luniel et tous qui nous ont quittés. Et nous te prions spécialement aussi pour les victimes de la guerre en Ukraine. Nous te prions pour tous les défunts de nos familles respectives. Reçois-les tous dans la lumière de ton visage. Et si on nous pousse enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons pleinement ta bonté sur les familles déplacées en Ukraine et ailleurs. Nous implorons ta bonté sur Madame Amarchi, qui apporte des fleurs à l'église pour que les fidèles puissent mieux te prier et te glorifier. En même temps, nous implorons ta bonté sur nos familles qui ont besoin de ta grâce au quotidien. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de la paix, Notre-Dame d'espérance, Notre-Dame de Saint-Séverin, Saint-Joseph de Paix, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par le Christ Jésus. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, au bonheur pour le monde, pour les siècles des siècles. Pour les uns et les autres,
une pensée profonde de joie et d'épanouissement. Et nous devons le vivre maintenant dans la prière avec sincérité et en toute vérité. Ainsi, nous nous tournons vers le Père et nous disons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié.
Maintenant, c'est la communion. J'invite celles et ceux qui sont au fond de l'église de bien vouloir s'avancer dès maintenant.
Voilà, merci à tous et à chacun d'être venus ce matin. Je sais que certains d'entre vous sont venus d'autres régions de la France, d'autres départements, pour vivre la résurrection en famille. C'est Jésus lui-même qui en est fier, il est fier de vous. Et donc, si vous êtes encore à Pérols et que vous avez pour rechercher une messe, n'hésitez pas, le mardi, ici à 18h30, il y a la messe pour le mardi de l'octave de Pâques. Et en même temps, à la sortie de l'église, vous êtes priés donc de recevoir les images donc, de Pâques que la paroisse vous offre comme signe de souvenir. Lorsque vous repartirez chez vous, voilà, que vous gardez ça avec vous en disant « Ben, j'ai prié avec la communauté chrétienne de Pérols. » Merci à la chorale qui nous a permis d'entrer véritablement dans cette célébration de manière plus intime, plus profonde encore. Merci à chacun et à chacune d'entre eux pour leur engagement. Et je vous invite, en signe d'encouragement, à bien vouloir les applaudir. Merci aussi aux petites mains, les petites mains qui sont cachées en général, cachées mais qui sont efficaces, efficientes, qui depuis le début de la Semaine Sainte ont apporté pas mal d'aide pour organiser la célébration de la Vigile Pascale, de cette messe pascale, et aussi pour que tous ceux et celles qui sont venus ou qui sont déjà venus dans cette église puissent se sentir bien et qu'ils reçoivent cette saveur du Christ. Donc merci à toute personne qui a donné un coup de main à la communauté pour que nous soyons épanouis aujourd'hui. Maintenant, nous pouvons nous lever et ensemble, prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, ne cesse pas de veiller avec tendresse sur ton Église, afin que déjà renouvelée par les sacrements de Pâques, elle parvienne à la lumière de la résurrection. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Je vous invite avec humilité à bien vouloir recevoir la bénédiction solennelle. Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques et dans sa bonté qu'il vous protège des assauts du péché. Régénère pour la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique, qu'il vous comble de la vie sans fin. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent en vous. Amen. Alléluia. On ne vous entend pas. Joie et paix du Christ ressuscité. Amen. Alléluia. Bonne fête de Pâques à vous tous et belle journée.